Gigi est engagé par son amant Jean-Charles pour tuer sa femme, Barbara, une écrivaine riche et célèbre. Mais lorsque Gigi arrive chez Barbara, elle se prend d'amitié pour cette femme en détresse, qui avait justement décidé de mettre fin à ses jours ce soir-là. Ensemble, les deux femmes vont découvrir des choses sur l'homme dont elles croyaient toutes les deux être aimées. Gildas, le voisin de Barbara, s'immisce dans leur conversation. Certains succès peuvent naître, et même renaître, d'une manière insolite. Ainsi, un soir de l'année 2011, après avoir joué l'amour sur un plateau avec Pierre Palmade, Isabelle Mergaud dîne dehors. À sa table, Chantal Lady. En discutant, Isabelle propose à Chantal de lui écrire un rôle sur mesure. Connaissant le talent d'Isabelle, Chantal accepte immédiatement, sans même savoir de quoi la future pièce parlera. À lire également Comment tuer sa mère, W9, Chantal Leitzou, j'ai fini une scène attachée à une corde, à 9 mètres du sol quelques mois plus tard, toutes deux l'interprètent au théâtre, à Paris. Adieu je reste. Rencontre un franc succès, mais ne sera jamais joué en province. 10 ans plus tard, un producteur de la chaîne C8 décide de la ressusciter, le temps d'une captation. Pour l'occasion, la pièce, qui met en scène une maîtresse chargée de tuer la femme de son amant, est réactualisée. Des répliques sur le confinement ou sur la série La Casa de Papel y sont subtilement glissées. Adieu je reste. S'offrira enfin la tournée en province qu'elle mérite. Adieu je reste, samedi 11 juin à 21h15 sur C8 Nicolas Palina.